Et bonjour à tous les amis, c'est Brazy, votre gamer favori. Donc, on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 10 août 2023. Donc, avec la une, le retour du pack Geometrix. Donc, avec Geometrix en tenue hippique, il a la tête au carré, partie ensemble écoglyphique. Saison 8, chapitre 2. Tenue réactive, les effets foudre s'intensifient à chaque élimination avec ses trois customs différents comme vous voyez actuellement à l'écran. Voilà. Avec son nid volante, qui est son accessoire de dos hippique également, en honneur au cu du cube. En honneur du cube, pardon. Avec sa hache au cube qui est sa pioche hippique, ils sont de retour. Voilà. Et absorption cubique qui est son accessoire sans revêtement d'armes rare, donc qui est réactif, tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Geometrix en tenue hippique et son île flottante, donc avec ses trois customs pour 1500 V-Bucks. La hache au cube, c'est sa pioche hippique pour 1200 V-Bucks. L'absorption cubique, c'est son revêtement d'armes rare réactif pour 500 V-Bucks également. Ensuite, on a le retour de Birdie, avec elle jamais de Mulligan, fait partie de l'ensemble pro du Green, saison 8 de premier chapitre, avec ses deux customs différents, tenue atypique pour 800 V-Bucks. Bois 1, c'est sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Le retour de Shogun, il attend l'ultime bataille, fait partie de l'ensemble Shogun, saison 6 premier chapitre, en tenue légendaire, avec ses ailes tranchantes qui sont accessoires de dos légendaire également, soyez une lame de fond pour 2000 V-Bucks. Mordante, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Kabuto, c'est son petit planeur rare également pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Sushi avec Reine du Maquis, donc avec ses deux customs. Elle fait son retour, elle n'est jamais au bout de rouleau. Fait partie ensemble Sushi, saison 6, premier chapitre avec ses deux customs. Avec son Maxi Nigiri qui sont un accessoire de dos rare, à boulotter en cas de petit creux. Maître du Sushi, transformez vos ennemis en sashimi. Avec son plat du chef qui sont un accessoire de dos rare également, tranché à la perfection. Sucificateur, donc avec elle fini sushi, donc c'est la pioche rare. Et poisson volant, c'est leur petite. Il est toujours frais, mon poisson, c'est le petit planeur atypique, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Reine du Maquis avec ses deux customs en tenue rare et le Maxi Nigiri qui sont accessoires de dos rare pour 1200 V-Bucks. Le maître sushi en tenue rare avec le plat du chef qui sont accessoires de dos rare également pour 1200 V-Bucks. Sucificateur, c'est la petite pioche rare pour 800 V-Bucks. Poisson volant, c'est le petit planeur atypique pour 500 V-Bucks, donc c'est un petit planeur atypique. Ensuite, c'est le retour du Chevalier du Marais, l'incarnation de la vengeance des marécages, saison 1, chapitre 4, retenue atypique pour 800 V-Bucks. Arctica, pardon. Partez à l'assaut des falaises glaciaires, fait partie ensemble As d'Épaule, saison 1, chapitre 2, en tenue rare, avec son sac de cordée qui sont accessoires de dos rare, à portée de la couleur au sommet, tout ça pour 1200 V-Bucks. Gros bonbon, c'est un petit planeur rare, donc le préféré des dentistes, saison 1, chapitre 1, pour 800 V-Bucks. Infecté, c'est trop tard, disponible depuis la saison X, premier chapitre, c'est petit moteur rare pour 500 V-Bucks. Trop facile, avec une main attachée dans le dos, fait partie d'ensemble ultime bataille, saison 9, premier chapitre. Donc une moteur rare pour 500 V-Bucks. Un autographe, c'est notre petite emote atypique, et j'adore ce que vous faites. Saison 3, chapitre 4, emote synchronisé pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le retour du pack milieu de terrain, donc avec avant-centre agile, impossible de le battre, fait partie d'ensemble, faites-le savoir, saison 4, chapitre 3. Choisissez un pays ou personnalisez plus de 20 éléments pour créer votre propre style. Donc là, vous pouvez, vous voyez, comme vous voyez, hein, vous pouvez tout, c'est tout customisable. Donc voilà, les cheveux et tout, vous pouvez changer la couleur, la taille des cheveux, la couleur des cheveux d'ailleurs. Voilà, avec le haut, avec ou sans écharpe, avec les différents pays. Voilà, avec les différents pays. Donc voilà, vous pouvez customiser comme vous voulez. Donc avec avant-centre agile, craque du coup franc, tenue pique également. Patronne du pénalty en tenue hippique, défenseuse du filet en tenue hippique et terreur du terrain en tenue hippique, tout ça pour 3000 V-Bucks. Le pack rentrée de touche, donc avec Cador du carton rouge, lui pareil, vous pouvez personnaliser comme vous voulez, avec, en épique, avec Titan du tacle en épique, gardien génial en épique, espère de l'échapper et l'over d'élite, tout ça en épique pour 3000 V-Bucks. Donc hors pack, vous avez donc effaceur du filet, donc pas un seul ballon ne le dépasse. Alors tenue hippique pour 1500 V-Bucks. Crack du coup franc en tenue hippique pour 1500 V-Bucks également. Avant-centre agile en tenue hippique pour 1500 V-Bucks. Patronne du penalty en tenue hippique pour 1500 V-Bucks. Terreur du terrain en tenue hippique pour 1500 V-Bucks. L'espère de l'échapper donc en tenue hippique pour 1500 V-Bucks. Gardien génial donc en tenue hippique pour 1500 V-Bucks. Cador du carton rouge en tenue hippique pour 1500 V-Bucks. Titan du tacle en tenue hippique pour 1500 V-Bucks. Lobber d'élite en tenue hippique pour 1500 V-Bucks. Voilà, donc pack et hors pack. Ensuite, vous avez leur pack d'équipement d'attaquant, donc avec trophée triomphal qui est un accessoire de dos rare. Classe mondiale, c'est leur pioche rare. Et ferveur du fan. But, c'est un petit emote atypique, tout ça pour 1000 V-Bucks. Personnalisé motif et couleur d'accessoires de dos. Trophée triomphal de la classe mondiale. Ah, alors, attendez.
Et ben là aussi, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Voilà, vous avez plusieurs couleurs au choix. Mettez ce que vous voulez dessus. C'est incroyable. Donc vous pouvez changer la couleur. Donc voilà, avec les motifs, par exemple aussi, vous pouvez mettre les motifs. Voilà, donc vous pouvez changer comme vous voulez. Et également pareil pour classe mondiale, la petite pioche. Donc vous pouvez changer comme vous voulez. Donc voilà, hein, tout simplement. Vous changez la couleur comme vous voulez. Donc tout ça pour 1000 V-Bucks. Donc tout ça donc pour 1000 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours Satoru Goju, donc en tenue hippie, qui fait partie de l'ensemble Jujutsu Kaisen. Donc, il est souvent considéré comme le meilleur exorciste des temps modernes, donc avec ses deux customs, en tenue hippie, avec sa tasse dessus, qui est un accessoire de deux pics. N'hésitez pas à vous servir, tout ça pour 1500 V-Bucks. Le pack Megumi Fushiguro, donc avec Megumi Fushiguro, un exorciste de classe 2 au talent exceptionnel qui a intégré l'école d'exorcisme de Tokyo. Donc voilà, avec son chien de jade, qui est un accessoire de dos hippie également. Un familier ayant pris la forme d'un chien. Le sabre de Megumi, c'est sa pioche rare, dissimulée en attendant le moment opportun. 10 ombres de chien de jade, donc sa petite imote, invoquez votre familier. 10 ombres éléphant de plénitude, donc la deuxième petite imote, rare également, tout ça pour 1900 V-Bucks. Le pack Nobara Kugizaki, donc avec Nobara Kugizaki, donc en tenue hippique, une exercice ordinaire de la campagne au tempérament déterminé. Avec sa poupée de paille qui est son accessoire de dos hippique également, utilisée par la technique innée de Nobara. Avec le marteau de Kugizaki, un marteau joué pour pas blesser l'adversaire. C'est sa pioche rare, tout ça pour 1800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez donc en pack, vous avez Megumi Fushiguro, donc et son chien de jade en épique avec 10 ombres de chien de jade, qui est la petite motte rare pour 1500 V-Bucks. Le sabre de Megumi, donc c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. 10 ombres d'éléphant de plénitude, donc c'est la deuxième motte rare pour 200 V-Bucks. Nobara Kugizaki avec sa poupée de paille en épique pour 1500 V-Bucks. Le marteau Kugizaki, pardon, excusez-moi, ça piochera pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack de quête de gain de Victoria. Donc, obtenez la tenue Victoria à la chaîne, à l'achat, accomplissez des quêtes hébdomadaires pour gagner jusqu'à 28 niveaux et déverrouiller des récompenses cosmiques. Accomplissez des quêtes en obtenant des jetons de sortilège dissimulés sur la carte du chapitre 4 avant la fin de la saison 3. Chaque semaine, cette nouvelle quête devient disponible et peut être accomplie jusqu'à la fin de la saison le 25 août. Accomplissez les quêtes pour déverrouiller chaque quête un niveau entier sous forme d'XP par jeton. Semaine 1, l'accessoire de dos étoile ombreuse. Semaine 2, le revêtement ombre tourmenté à partir du 3 août à 15h. Semaine 3, la pioche lame d'ombre tissée à partir du 10 août à 15h, donc à partir d'aujourd'hui. Semaine 4, le style ombra pour la tenue Vicora à partir du 17 août à 15h. Voilà. Accomplissez toutes les quêtes 28 au total pour divirer toutes les récompenses cosmiques, donc tout ça pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour du pack de casier du Rubik, c'est avec Adeline en tenue rare et ses deux customs. Portez les vêtements de la saison dernière, quelle idée, fait partie de l'ensemble Chemin coloré, saison 4, chapitre 2. Avec son angulaire chic et son accessoire de dos rare, le triangle c'est la classe. Angulaire c'est sa pioche atypique. Audacieuse c'est sa petite emote rare, affirmez votre posture. Aigle vert c'est son petit planeur rare, donc avec deux styles au choix, donc voilà. Le premier en vert et la deuxième couleur, je pense, c'est une espèce de rose, voilà. Et Venin Néon, donc c'est sa petit revêtement atypique, donc tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Adeline et son angulaire chic en rare pour 1200 V-Bucks. Angulaire, sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Audacieux, sa petite emote rare pour 500 V-Bucks. Aigle vert, c'est son petit planeur pour 800 V-Bucks rare également. Venin Néon, c'est son petit revêtement atypique pour 300 V-Bucks, voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez sur le pack... Chevalier du coin restauration pour 2600 V-Bucks, donc avec Sir Burger en tenue hippique et son tranche sec, son accessoire de dos hippique. La spatule d'Algérienne, c'est sa pioche hippique. Ziara le cruel en tenue hippique avec sa cape de Ziara qui est son accessoire de dos hippique. La trancheuse de Ziara, donc c'est sa pioche hippique. Pico la vaillante en tenue hippique avec son rondage assaisonné qui est son accessoire de dos hippique. La sachage piquante, c'est sa pioche hippique. Et pour finir, le menu combo, c'est l'écran de chargement atypique, donc tout ça pour 2600 V-Bucks. Ensuite, vous êtes sur le pack. Guerrier du bord de mer, donc pour 2400 V-Bucks, donc avec Race du Rivage et ses 8 customs en tenue hippique, avec son épine cubesse qui sont en histoire de dos hippique, Girl Surfer et ses 2 customs en tenue hippique, avec son panier de profondeur qui sont en histoire de dos hippique également, Corps officieuse avec ses 3 customs en tenue hippique et sa cape de chaîne sont en histoire de dos hippique également avec ses 2 customs. Voilà.
Ensuite, vous êtes sur le pack Légende Estivale pour 8 €, donc avec Zoé Estivale avec ses 3 customs en tenue hippique, Zoé Tropical en tenue hippique, Banane de plage en tenue hippique et ses 3 customs, Buzzard Strapper, c'est un premier accessoire de dos hippique avec ses 2 customs, Sac Dorsal, un deuxième, et Cabana Banana, le troisième, dont chacun le sien. Ensuite, vous êtes sur le pack Maître du Magma, donc pour 7,49 €, donc avec Kuno Incinératrice et son Kama Double Feu, Ragnar Ardent et ses ailes enflammées, Roi des Flammes et Pneu Infernal, donc voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack Légende Ardente pour 8 € également, donc avec Molosse de Guerre Ardent et Valkyrie Ardente, chacun avec leur accessoire de dos, Capacimé Ardente et les ailes de Valkyrie Ardente. Et pour finir, vous avez le petit Pyrodragon qui est le petit planeur. Ensuite, vous êtes sur le pack Reflet Obscur pour 8 € également, avec Genésie Obscure, Chevaleresse Rouge Obscure, Joker Obscure, chacun avec accessoire de dos, Bouclier Obscur, Équipe Sauvage. Et pour finir, vous avez la Hache Obscure qui est la petite pioche. Ensuite, vous êtes sur le pack de quête de Aguerri de Saphir pour 12 €, donc avec Charlotte Fatale et ses 2 customs en tenue hippique. La même Charlotte, la même épée maudite, mais avec 30% de possession en plus, donc voilà. Avec son serpent de saphir qui est son accessoire de dos épique, qui est capable de réguler l'énergie du plan démoniaque. L'épée antidémonique renforcée, elle a été refortifiée grâce aux écailles de serpent de saphir. La Saifelos, c'est sa pioche épique, sa deuxième pioche épique, l'alternative parfaite lorsque votre épée possédée est hors service. Le serpent sinueux, c'est son vêtement d'armes animé, donc voilà, il est rare. Et les caisses supplémentaires pour gagner jusqu'à 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes qui sont fournies avec ce pack. Et pour terminer, donc, vous avez toujours le pack Clip de guerre, donc pour 16 €, donc avec un accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminez la défense du bouclier anti-tempête base de 3 pour déverrouiller les quêtes quotidiennes, entamez ce pack de défis, qui comprend la tenue Clip rare, donc voilà. L'infabile spécialiste des armes de la base, donc avec sa trousse de clips qui sont accessoires de dos rares, un cadeau de Kenbridge et la clé douilleuse qui est sa pioche rare. Donc ce sont les autres qui vont douiller, donc tout ça pour 16 €, donc si vous achetez ce petit pack, pardon. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12 € par mois, les amis. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club dont une nouvelle étape est livrée chaque mois tant que votre abonnement au Club de Fortnite est actif. Vous obtenez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Il vous rembourse 950 V-Bucks sur le Jackpot de combat. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Princesse Lexa en tenue hippique avec son cimier céleste qui sont accessoires de dos hippique. Prince Aurine avec son guide céleste qui sont accessoires de dos hippique également. Les sabres de souveraine, donc c'est sa pioche rare. Et les lances du prince Aurine, c'est sa pioche rare également. Et pour finir, vous avez un destin royal, c'est l'écran de chargement atypique. Donc voilà, tout ça pour 12 € les amis, si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le commentaire, le partage les amis. N'hésitez pas franchement à partager, commenter et liker toutes les vidéos les amis, à vos amis, à votre famille. Franchement, ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait vraiment la chaîne. Donc ne regardez pas que la petite miniature les amis, regardez aussi la vidéo les amis, parce que bon, il y a 200-300 vues, mais si j'avais 200 ou 300 pouces, les gars, vous imaginez bien comme on monterait rapidement, enfin, la chaîne serait plus connue et plus référencée, donc n'hésitez pas à liker et mettez le petit commentaire brasier si vous regardez entièrement la vidéo aussi, c'est très important les amis, ça me fait énormément plaisir et surtout, mais tout ça, ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne si elle vous plaît vraiment, voilà les amis, hein, et à me soutenir donc par la même occasion. Ensuite, pour le soutien, tu le connais par cœur, c'est le code brasier, c'est le code qui va enflammer ton été, réchauffer tes hivers, c'est le code de l'année, c'est le code brasier en minuscule, un outil de Fortnite, on s'en fout, tu mets abcété, moi ça m'aide énormément. Voilà. Si t'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit. Tu peux pas cliquer sur la petite, sur le bas de la vidéo, là en droite, tu cliques dessus sur le petit bouton rouge, donc tu s'abonner, c'est gratuit. Et tu n'oublies pas d'activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Ensuite, si tu veux des objets custom vraiment stylés, hein, tu trouves tout ça dans la boutique officielle de la chaîne, donc n'hésite pas à faire un petit tour, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Et pour terminer, évidemment, si la chaîne te plaît vraiment et que tu veux participer à son évolution, donc n'oublie pas et surtout bénéficier d'avantages exclusifs à la chaîne, plus énormes, vous avez des gros avantages, donc n'hésite pas, tu as la petite souscription en dessous, je te mets le lien, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye.